Est-ce qu'on attend encore quelqu'un? Si je... Bon, je pense bien qu'on peut commencer cette réunion. Oh, tabernacle, mais c'est quoi cette tête d'enterrement? Vous savez pas ce qui était ma motivation? Oui. Moi, je pense que ça fait 4 jours. Et j'ai pas craqué. Et ma femme? Tabernacle. Tout comme d'habitude. Et c'est reparti pour les clichés. Voilà la fiotte qui se met à chialer. Non, laisse-le. Laisse-le. Il doit absolument extérioriser ses sentiments. Vas-y, Michael. Parle-nous. Hey, je pense bien que c'est moi qui dois m'ouvrir à vous. Avant de l'ouvrir, si tu pouvais juste la fermer un petit peu déjà, ça serait bien. Ok? Entre nous, au fait, tout à l'heure, avant la réunion, dans la voiture, c'était pas une bouteille de coca que tu avais. D'accord? C'est différent. T'es un alcoolique, t'es une merde, comme tous les autres. T'es ce que t'es, mec. Avant, j'étais comme toi. Je me la pétais. Je pensais à personne. Je pensais juste à ma petite gueule. Vas-y, continue. Quand tu te crois invincible, tu crois que tout est permis. C'est à ce moment-là que l'accident arrive. Aïe. À cause de l'alcool. Ma femme est morte. Excusez-moi, je... Oui, on est avec toi. Je ne voudrais pas plus vous déranger. Vous n'êtes pas comédien. Vous n'êtes pas pour le casting du film Skété. D'accord, ben, j'ai dû me tromper et... Excusez-moi de vous déranger et ben, je vais y aller. Et puis, bonne continuation, bonne chance, toi, courage. Vas-y, au revoir. Je tiens bien l'accent, non? Enfin, je respire. J'ai pas été trop dur avec vous, les gars. Non? Et en moins, pour le casting. Bien joué, les gars. Merci, bien joué à vous aussi.